Urgent, soyez salué depuis votre position. Bonne arrivée à vous. Je vous salue. Je suis le général Modibo Goïta, Djédié Doboblek, Gbagbo Sankara, Sékou Touré. Chèque dans la gâchette. Soyez salué. Bonne arrivée à vous. Commencez à partager. Je vais vous jouer une musique pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, allons-y. On va écouter la musique. Et puis, je vais rentrer dans le vif du sujet, comme je disais tantôt. Donc, il s'agit de quoi? Excusez-moi, il faut que je trouve la musique que je veux vraiment. Il faut partager, il faut partager. Avant que je commence, il faut partager. Voilà. On va écouter un zouglou militaire. Voilà. Pour que les commandos puissent se retrouver, partager, partager. On va écouter un zouglou militaire. Parce que nous allons parler. Partager, partager. Capitaine Ibrahim Traoré, c'est pour toi. Capitaine Ibrahim Traoré, c'est pour toi. Hey! Un, deux. Appelez ici le capitaine Ibrahim Traoré. Hey! La salutation vibreur. Vibreur. Hey! Appelez ici tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Ivoiriens, tous les Ghanéens, tous les Congolais, les Centrafricains, les toute l'Afrique. C'est nous. La Mela, c'est nous. La Mela, c'est nous. La Mela, c'est nous. Ah! C'est nous. Et que oui, go, man, go, ya. Que c'est nous. Ah!
Capitaine Ibrahim Traoré, c'est toi qui me fais danser à l'air là. Zeti, t'as eu ton premier nom. Ton premier nom là, c'est Tapi Pao. Ton premier nom là, c'est Zeti. 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 Youo, wawa youo, wawa you wawa le. Appelez ici le capitaine Ibrahim Traoré. Zeti. Zeti. Bonjour. Zeti. Voilà. C'est bon. Halte au son. Halte à la musique. Soyez salués depuis vos positions. J'ai mis la musique pour que vous puissiez danser avec moi pour cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Oui, j'ai dit bonne nouvelle. Je réside en France. Je respecte les institutions de la République française. À un moment donné, j'ai décidé de dénoncer le comportement des responsables de ce pays envers notre pays. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus avoir la langue de bois, de ne plus cacher ma vérité et la vérité que nous savons en Afrique vis-à-vis des peuples français. Alors ici, dans les rues de Paris, à la place de la République, à la place de la Bastille, partout sur toutes les places, et dans les ruelles de Paris, nous avons marché, nous avons parlé. Et ce que j'ai dit à l'époque, dans les rues de Paris, j'ai dit ça ici dans cette vidéo. Devant l'Assemblée nationale française, nous avions tenu un meeting là-bas. Et dans ce meeting, j'ai tenu un discours. Cela date de 4 ans derrière, en 2019, où j'ai demandé à ce que les députés français demandent à ce qu'on vote une loi afin de retirer toutes les armées françaises dans nos différents pays. Car le citoyen lambda français a besoin d'une sécurité. Le pays de la France a besoin d'une protection, a besoin de sécuriser ses frontières, a besoin de protéger le citoyen français. Et donc, l'armée française étant dans nos pays ne sont pas les bienvenus. J'ai tenu ce discours avant, j'ai tenu ce discours hier, je le tiens aujourd'hui. Demain, s'ils sont encore là, je tiendrai encore ce discours-là. Donc, je n'ai aucune crainte de dire ce que j'ai dit hier, aujourd'hui. Parce que je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui et je serai le même demain. Pourquoi j'ai dit de saluer et même danser pour le capitaine Ibrahim Traoré? Parce que voici un jeune homme qui a compris la nécessité de continuer le combat de Thomas Sankara. Sois salué avec le respect, avec tout le respect dû à ton rang. Tu es un jeune homme. Mais un jeune qui a compris son peuple, un jeune qui a compris la nécessité de redonner
à sa population et à son pays sa souveraineté. De quoi parlons-nous? Beaucoup vont se dire, mais attends, on n'est pas au courant, ou bien on ne sait pas de quoi on va, il est en train de parler. Tout ce que je vous demande, avant de continuer dans mes propos, partagez ce direct-là. Partagez massivement. Pendant que je suis en train d'intervenir, continuez de partager et continuez de cliquer sur les étoiles, les cœurs. Continuez de cliquer sur tout ce que vous pouvez pour pouvoir protéger ce direct. Parce que, comme je vous ai dit, depuis un moment, nous sommes restreints. On ne veut pas nous laisser évoluer par rapport à nos audiences sur les réseaux sociaux. Donc, vous, partagez, mettez beaucoup de cœur, mettez les pouces. Ça va permettre à ce que ce direct-là puisse vraiment être sécurisé. Dans la continuité de mes dires, je vais vous laisser écouter ce qui se passe réellement. Pourquoi je me permets de danser? Pourquoi je me permets de dire qu'il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré? On va écouter. Ce soir, la France a réagi. Le président Macron dit attendre des éclaircissements concernant une éventuelle demande de départ des troupes françaises. Départ d'ici un mois. L'annonce avait été faite à la télévision publique. Une décision très commentée sur place. On écoute le récit de Simon Rodier. Dans les rues du Burkina Faso, l'annonce du départ des Français est plutôt bien accueillie, même s'il n'existe aucune officialisation à cette heure. Je pense qu'il vaut mieux d'être des ennemis pour des... pour un bout de temps, que d'être des amis qui ne servent à rien. Si l'armée française ne fait pas notre affaire, il faut tourner vers d'autres partenaires qui peuvent quand même nous aider. Voilà. Sinon, il ne faut pas rester là à compter sur la France et qu'ils ne sont pas capables. Moi, ils ne veulent pas plutôt nous aider. C'est ici un court résumé des tendances de l'opinion publique, en tout cas celles qui s'expriment dans les rues de Ouagadougou. D'autres ne veulent pas que la situation s'envenime. L'armée française ou toute autre armée étrangère n'a pas vocation à rester indéfiniment au Burkina Faso. Il faut peut-être ne pas aller à l'escalade. Il faut s'asseoir et puis regarder ce qu'on peut apporter comme vraiment une correction, comme correctif de part et d'autre pour que chacun se sente vraiment à l'aise. L'information de ce départ des troupes françaises a été reprise par la télévision nationale, après avoir été donnée par l'agence d'information burkinabé. L'accord militaire du 17 décembre 2018 aurait été dénoncé il y a 4 jours, selon l'agence nationale, et les troupes françaises auraient un mois pour partir. Plus de 300 hommes de la force spéciale Sabre sont positionnés à proximité de la capitale Ouagadougou, et ce depuis 2008. L'agence burkinabé n'a pas fait de déclaration officielle. Depuis 2008, ils sont aux portes du Burkina Faso de Ouagadougou. De Ouagadougou, pas du Burkina, de Ouagadougou. Vous avez attendu que Ibrahim Traoré a demandé à ce que l'armée française dégage du Burkina Faso dans les un mois qui suivent. Un délai qui n'est pas long, mais un délai clair. Un délai limpide. Alors, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, demande des comptes, comme s'il appelait son petit frère pour lui dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ce que j'entends, est-ce que ça vient de toi ou pas? Est-ce que c'est réellement toi qui en parle ?» Mais, allez-y dire à Emmanuel Macron, vous qui êtes au service des renseignements généraux, qui suivez ma vidéo là, hein? Vous qui êtes au service des renseignements généraux français, qui suivez ma vidéo, allez-y dire à Emmanuel Macron que Ibrahim Traoré s'en tape de sa question. Que le peuple français s'en gaba, s'en tape de ses demandes d'explication. Qui aille demander ça à ses petits frères, qui aille demander ça à ses vassaux, qui aille demander ça à autre personne que à Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré n'est pas son valet. Ibrahim Traoré n'est pas comme les anciens qui se prosternaient devant lui et le prenaient comme le Dieu Tout-Puissant, le Père des cieux. Allez-y dire, vous les renseignements généraux qui me suivez là, allez-y dire ça à Emmanuel Macron. Dites-lui que l'Afrique est en train de changer.
l'Afrique est en train de changer. Il n'y a aucun sentiment anti-français. Bien au contraire, il y a un sentiment de révolution, de reprise de son indépendance réelle en main. L'Afrique a décidé de se reprendre réellement en main. Il n'y a plus question qu'on vienne nous infantiliser. Il n'y a plus question qu'on vienne nous martyriser. Il n'y a plus question qu'on nous prenne comme des sous-hommes. C'est fini ça. Cette époque-là est révolue. Thomas Sankara renaît dans le corps d'Ibrahim Traoré. Thomas Sankara renaît dans le corps de chaque citoyen africain. Allez-y, dites ça à votre patron, Emmanuel Macron. Dites-lui ça. On n'a aucun compte à lui rendre. On n'a aucun compte à lui rendre. Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le message passe correctement dans vos youkulida? Dans ça, vos youkulida. Est-ce que le son, il passe correctement dedans? Aucun compte à rendre. On dit, on vous donne un mois pour dégager du Burkina Faso. Parce que vous n'avez pas vocation à rester sur le territoire burkinabé, sur le territoire malien, sur le territoire guinéen, sur le territoire ivoirois, sur le territoire sénégalais, sur le territoire, béninois, sur le territoire togolais. Vous n'avez aucune vocation à rester sur le territoire africain. Il y a trop de choses à faire ici en France. Trop. Les citoyens français ont besoin de votre sécurité parce qu'il y a des lieux où l'insécurité règne sur le territoire français. Il y a des communes, il y a des villes qui sont comme des villes sans loi, sans droit, où il y a des dealers, où il y a des personnes qui ont des armes, des guerres dans des cités. L'armée française doit venir sécuriser ces lieux-là. Et non continuer à rester sur nos territoires, soi-disant défendre notre pays, défendre nos pays, protéger nos pays. Pendant que le terrorisme évolue, pendant que le terrorisme prend de l'ampleur sur nos territoires. Ibrahim Traoré, comme Thomas Sankara, a décidé, parce qu'il connaît l'aspiration de son peuple. Et si Ibrahim Traoré décide, c'est parce qu'il a des preuves que vous n'êtes pas là pour aider la population et le gouvernement en place. S'il a décidé, c'est parce qu'il a des preuves que votre présence est plus nuisible qu'avantageuse. Ou avantageuse, votre présence. Vous comprenez? Tellement Ibrahim Traoré a été, comme tu dis Jean-Paul Bayala, tellement le message est clair. Tellement le message est clair qu'il appelle Ibrahim Traoré président de la transition. Ah, il n'est plus chef de la junte burkinabé, comme vous appeliez, et vous continuez même d'appeler, comment il s'appelle, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Ibrahim Traoré est devenu président de la transition. On va vous imposer le respect. Tu ne vas plus aller tapoter la joue de quelqu'un, comme tu l'as fait avec Roch Christian Kabore. Marc Roch Christian Kabore, de toute façon, tu es allé tapoter sa joue là. Tu ne vas plus faire ça à joue de quelqu'un encore dans ta vie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les amis, il faut partager. Il faut partager parce que je vais vous donner le temps d'appeler. Parce que je vais pas être trop long. Et quand vous allez appeler, ça va rallonger aussi le direct. Donc, je vous permets d'appeler. J'ai mis le numéro
Je pense que je vais remettre ça ici et puis épingler ça. Comme ça, vous allez donner votre avis. Est-ce que Ibrahim Traoré a bien fait de demander à ce que l'armée française quitte le Burkina Faso dans les 1 mois qui suivent? Voici le numéro qui est épinglé. À vous de jouer. Appelez pour donner votre avis. En attendant, je continue dans ce que je suis en train de dire. Vous comprenez pourquoi je vous disais à l'époque de sortir vos armées de nos pays, parce que vaut mieux ne pas avoir cette grosse honte-là. Quand je vous parlais ici devant l'Assemblée nationale, dans la BAF, dans le haut-parleur, vous m'avez ridiculisé. Vous êtes moqué de moi. Vous êtes foutu de moi. Vous avez dit, mais il rêve lui. Jamais ça va se faire. Aucun militaire français ne va sortir de vos pays. Vous étiez en train de rigoler dans vos bureaux. Certains même étaient en train de me photographier. D'autres étaient en train d'enregistrer ce que je disais pour bien aller se moquer en mangeant son camembert, en mangeant son fromage. Chacun était en train de rigoler de ce que je disais. Aujourd'hui, voici que vous sortez par la petite porte parce que le Mali vous chasse, le Burkina vous chasse. La prochaine, c'est qui? Ils sont même allés dire que, que là, c'est la Russie qui est en train de pousser les peuples africains, les Burkinabés, à prendre leur destin en main parce que eux, les Russes, ils veulent s'installer au Burkina Faso. Et ensuite, ils disent que la finalité, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont dit le prochain, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont eux-mêmes qui disent ça dans leur message. Hein. Dans leur message. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Vous comprenez? Mais les pays africains sont réveillés et ont décidé de prendre leur destin en main. Vous n'avez pas encore compris ça. Ou bien on n'a qu'à vous dire ça en chinois. On n'a qu'à vous dire ça en quoi? Il faut qu'on vous dise ça en quoi? Regardez le Sénégal de Macky Sall. Ousmane Sonko a fait sortir la population. Vous avez vu les gens dehors, le monde qui était dehors, vous avez vu. Les choses ont changé. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas accepter. Alors lui, il appelle Ibrahim Traoré pour donner des explications sur sa décision de virer de son territoire, l'armée française. Ibrahim Traoré va te répondre. Il va te répondre parce qu'il n'a pas peur de toi. Sinon, il n'allait pas demander à ton armée de dégager du Burkina Faso. C'est un jeune capitaine qui est là. Vous vous souvenez que vous avez torpillé Thomas Sankara et vous avez payé un voyou qui a pris l'argent et qui a fait assassiner son ami, son propre ami, son frère, pour que vous puissiez régner en maître au Burkina Faso. Vous avez tué Thomas Sankara, mais l'esprit de Thomas Sankara est rentré dans tous les Burkinabés, dans tous les Africains. Et aujourd'hui, vous êtes étonné de la réaction d'un jeune. D'un jeune. Vous êtes étonné de sa réaction. Vous êtes surpris de sa réaction. Vous avez cru que quoi? C'est tout le monde qui est corruptible. C'est tout le monde un peu corrompu. C'est tout le monde qui aime l'argent. C'est ce que vous avez cru? C'est ce que vous avez cru? C'est tellement clair, on dit. Ouedraogo, pareil, Pascaline. Ce qu'il ne comprend pas là, comme tu demandes, c'est quoi il ne comprend pas? Mais ce qu'il ne comprend pas là, c'est qu'il est surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Pour lui, Ibrahim Traoré là, c'est un gamin qu'on peut blaguer à 2 milliards. Quand on va mettre l'argent devant lui, on va dire, on va te payer en euros. 2 milliards. Ou si tu veux en dollars, tu prends pas en franc CFA pour ouvrir tes yeux, pour te berner
On te dit, oh, ça c'est, on va te donner 2 milliards de francs CFA, mais en euros. Ou en dollars. Comme ça, toi-même, si tu ne veux pas utiliser ça en Afrique, tu vas sortir de l'Afrique avec ça. Accepte ça et puis reste tranquille, ferme ta gueule. Tu es un jeune homme, tu as de l'avenir. Fais comme tes pères. Fais comme tes aïeux, certains qui ont laissé passer. Il a oublié que le Burkina Faso, on appelle ça pays des hommes intègres. Thomas Sankara a dit, c'est pays des hommes intègres. Maria Philomena Silva, bonne arrivée. Pays des hommes intègres. Et le pays des hommes intègres est un pays digne, où il y a des hommes dignes. Où ces hommes dignes-là refusent de l'argent. Où ces hommes dignes-là refusent de se faire payer. De se faire corrompre. C'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai dit le Burkina Faso est un pays riche. Mais ils ont fait passer dans la tête de certains Africains que le Burkina Faso est un pays désertique. Il n'y a rien au Burkina Faso. C'est des affamés. Ils n'ont rien pour vivre. C'est un pays pauvre. Il n'y a que des cailloux. Il n'y a que de la poussière. Il n'y a que... comment on appelle? C'était ce genre de langage. Quelqu'un appelle de la Côte d'Ivoire. On va décrocher. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour intervenir sur le sujet. Vous êtes en direct, intervenez. Je suis Guéné Oudou, en direct d'Abidjan. D'accord. Je suis Burkinabé, donc j'appelle là pour soutenir mon frère, mon président Traoré Ibrahim. D'accord. Je suis tellement fier de lui parce qu'il fait le travail que Thomas Sankara devait terminer. Et tu... Allô? Oui, la question que je voulais te poser... Tu es d'accord que l'armée française, il donne qu'un mois. Pourquoi il ne donne pas un an, deux ans? Est-ce que toi, tu es d'accord qu'il donne un mois seulement à l'armée française? Moi, j'aurais voulu que ça soit immédiat. C'est-à-dire le jour même? Un ultimatum de 24 heures, ça aurait suffi. Mais tu sais qu'à 24 heures, on ne peut pas plier bagage comme ça. Il doit trop durer chez nous, c'est exagéré. Il peut pas venir chez nous pour nous aider à faire un combat qui ne se termine pas. Depuis 2008, ils sont là. Rien n'avance. Au contraire, même, tout s'aggrave. Donc, je préfère qu'ils partent. Même, on pourrait me dire une semaine, mais un mois, moi je trouve que c'est tout. Merci. Merci pour ton intervention. Bon. Ok, je vous suis en direct. On est ensemble. Merci pour tout ce que vous faites pour la prise. Merci. Il dit, le jeune homme qui a appelé, il est burkinabé, il réside en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu le numéro de Côte d'Ivoire. Il est burkinabé, il réside en Côte d'Ivoire. Et il est fier de Ibrahim Traoré, qui agit comme Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas pu terminer quelque chose. Et il a été assassiné. Mais ils ont oublié que Thomas Sankara vit en chacun d'entre nous. Thomas Sankara vit dans le cœur, dans l'esprit de chacun d'entre nous. On n'a jamais oublié Thomas Sankara. Ils ne se sont jamais posé la question, mais pourquoi ceux-là, ils sont là toujours en train de dire Thomas Sankara, les 10 fils de l'Afrique, on cite Thomas Sankara dedans. On cite Patrick Lumumba, on cite des grands noms. Et ils ne se sont jamais posé la question, parce qu'ils se disaient qu'il n'y a rien. Oh, ce sont des pauvres nègres, ça va passer. Il suffit de gonfler leur ventre avec du riz et puis mettre un peu d'argent des francs CFA dans leur poche, ils vont fermer leur gueule. Non, non, non. La nouvelle génération, là, je vous ai dit que peut-être nous, on ne sera plus là. Peut-être. Mais nos enfants, nos petits-enfants, nos frères vont tenir. Et ce changement-là aura lieu. Je vous ai déjà dit ça. Mais vous ne prenez pas en considération quand on vous parle. Vous pensez qu'on est en train de rigoler. Vous pensez qu'on n'a rien à faire. Vous pensez qu'on est dans un déni qui ne dit pas son nom. Vous pensez qu'on est en train de rêver comme vous aimez le dire. Et parce qu'il y a certains Africains
des boys, des nègres, des chiens, des pourritures qui acceptent vos miettes. Comment tu es couché sur de l'or? Comment tu es assis sur de l'or? Comment tu es assis sur un gros trésor? J'ai même pas dit un grand trésor, un gros trésor. Et puis tu attends qu'on te donne des miettes. Et tu laisses la place pour qu'on ramasse ton gros trésor là. C'est africain qui peut faire le son. C'est noir qui peut faire ce son là. C'est noir seul qui peut accepter des miettes pour laisser ce gros trésor là aux mains de quelqu'un d'autre. Mais les jeunes d'aujourd'hui veulent changer cette donne. Les jeunes de maintenant veulent changer cette donne. Ibrahim Traoré a vu, il a écouté la télé, il a écouté les réseaux sociaux, il a suivi ce qui s'est passé, l'actualité. Il a étudié. Il sait ce qui s'est passé dans son pays. Il sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, au Congrès, avant de créer le PPACI, le Congrès qui a vu la création du PPACI, là, le discours du président Laurent Gbagbo, rappelez-vous ce discours-là. Parce qu'après ce discours, beaucoup d'Africains ont compris. Et le travail est en train de se faire. Dans ce discours, il a dit que quand il va en Chine, les militaires chinois sont alignés comme ça et tu les passes en revue. Tu marches la tête haute. Ton hymne national est chanté par des Chinois. Ton drapeau est brandi en l'air. Et tu es fier. Tu te prends pour quelqu'un. Tu crois que tu es important. Mais est-ce que celui qui te reçoit là te voit comme tel? Parce que toi-même, tu connais son armée. Tu connais son pays, il a un milliard, plus d'un milliard et quelques personnes dans son pays. Son armée seule là, peut-être même ça fait toi ta population. Son armée seule là, toi tu es 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Armée seule, l'armée seule de la Chine, ça dépasse tes 26 millions là d'habitants. Tu comprends? Et toi tu marches, tu te crois important, tu marches. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ça, c'est quel pays, ça? Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Hervé? Oui. Oui, monsieur Hervé, franchement, j'aimerais vous parler, ouais, parce que ce qui se passe à ce moment, sur ce continent, sur notre continent, c'est trop, ça doit amener à tout un chacun, à tout un Africain de pouvoir vraiment réfléchir trop, ouais, parce que nous sommes en train de vraiment voir les bouleversements de la géopolitique mondiale. Et on ne peut pas continuer à voir cette réalité qui se passe. Ce qu'Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré et puis les présidents aussi de la Guinée-Conakry sont en train d'entamer. C'est ça que nous voulons voir dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mon frère. Oui. Tu appelles de quel pays? Bon, à ce moment, je suis en Inde. Je suis un Malien de l'Inde. Un Malien de l'Inde? Bon, à ce moment, je suis en Inde. Tu fais, tu fais du rap là-bas? Non, je ne fais pas du rap. Non, je dis ici. Là. Mais souvent, quand tu regardes tous les mouvements qui se passent au niveau du continent, souvent, parce que j'ai cru que c'est hip-hop que tu es en train de faire. Ah. Tu n'as même pas respiré. Bon, laisse le vent va passer un peu dans ta gorge. Aïe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste l'émotion. Tu vois, c'est juste, vous voyez donc. Parce que quand on regarde la géopolitique internationale et ce qui se passe à ce moment en Afrique, et puis c'est ce genre de choses que nous à ce moment, nous sommes en train de voir en Afrique. Je n'ai jamais vu Thomas Sankara, mais jusqu'à présent, son nom est totalement cité dans l'histoire africaine. On n'a jamais vu Patrice Lumumba du niveau du Congo, mais jusqu'à présent, son nom est cité dans l'histoire africaine. Bon, dans notre génération, ce que nous sont en train de voir, ce sont les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, et puis les colonels du bien qui sont en train de s'élever. C'est pour ça que c'est cette partie de l'Afrique de l'Ouest qui était plus vassalisée, doit être vraiment. Je ne demande pas de tout ça. D'accord. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci, tu ne faisais pas hip-hop avant, il faut enregistrer un son. Oui, merci. Merci. Au revoir. Qui est? C'est rapide comme ça. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Oui.
Comment tu vas? Tu appelles depuis la Côte d'Ivoire. Ouais, je suis un boutique, je suis un homme intègre. Voilà, un homme intègre doit dire des choses Voilà. réelles et véridiques. On t'écoute. Oui, Qu'est-ce que tu oui. penses de la décision d'Ibrahim Traoré, le capitaine? Voilà, le jour que moi-même j'ai entendu ça là, je suis très heureux. Je suis très très heureux. Tu comprends? Oui. Mon capitaine, je vais te demander quelque chose. Ça fait combien d'années que l'armée française est en Côte d'Ivoire? Combien d'années l'armée française? Mais ça date, hein, il y a longtemps. L'armée française au Burkina Faso, ça fait combien d'années? Je sais pas du tout. Depuis l'arrivée de Blaise Compaoré au pouvoir, il a fait venir la Barkhane au Burkina Faso. Vous voyez? Regarde-moi la matérielle laquelle que Barkhane ont. Et puis les terroristes qui nous frappent. Ça tue tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, c'est des milliers de personnes, des milliers de Burkinabés qui meurent. Mais il n'y a pas eu un jour l'intervention de Barkhane. Quel est leur rôle alors? Ils sont au Burkina, c'était par rapport à quoi? Si tu veux aider quelqu'un, ils sont en train de nous tuer. Et puis leur part est là. Je suis que s'ils sont là pour nous, est-ce qu'ils ne vont pas nous aider? Le Mali est là pour nous avant qu'ils n'aient pas trouvé les femmes là. Bon, et puis ils vont les récupérer pour nous donner. Ils ont trouvé, non? Ouais, Donc, moi, je suis très, très heureux. Je suis content pour les paroles de monsieur le capitaine, le brave capitaine, ce qu'il a décidé. Nous, la population, on a élu. Ce que Macron est en train de raconter, lui raconte sa vie, c'est sa vie. Le Burkina Faso n'a pas le sous-préfet de la France. On est d'accord? Ce On est qu'il lui est en d'accord. train de dire. Oui, ce qu'il est en train de dire, parce qu'il a mangé, il a rassasié, il dort. Est-ce qu'en France, les sommets sont payés par mois? Il y a combien de milliers de Burkinabés qui souffrent, qui n'arrivent même pas à s'en sortir? Il y a des villages même pour gagner de quoi manger, je dis. À cause de quoi? À cause de les mêmes Français. C'est normal. Je suis d'accord avec lui. Lui-même a donné un mois-même est trop. Si c'est moi-même là, jusqu'à 2 jours, 15 pas. Voilà, un mois là, même 30 jours, je trouve que c'est trop long. C'est trop quoi. long. C'est trop. Ouais, c'est trop long. Il n'a qu'à refuser pour revoir. Les paroles que Macron est en train de raconter, lui raconte sa vie. C'est paroles de PD. Ça, c'est pas paroles de garçon. Le Burkina Faso, c'est pas la sous-préfecture de la France. C'est clair, hein? c'est clair. C'est pas la sous-préfecture de la France. Tu comprends? Oui. Moi, je vois aujourd'hui, il faut être un honnête mouton pour suivre la politique française. Faut être un mouton. Un jeune aujourd'hui qui suit la politique française, faut être mouton. Tu comprends? Oui. Il y a des gens qui disent Je que comprends. l'Amérique est l'un des pays endettés dans le monde. L'Amérique, oui, bien vrai, l'Amérique est l'un des pays le plus endetté au monde, mais ils ont pris les crédits pour construire des usines de CD. Ça ne permet pas de prendre des crédits pour mettre le goudron dans ton pays. Le jour où le lendemain, l'eau peut prévoir, le goudron est déjà parti. Aujourd'hui, je vous donne pendant 10-5 ans après, tous les pays africains vont courir derrière le Mali. Ouais. Tous les pays africains vont courir derrière le Mali. Parce que pour devenir riche, il faut souffrir avant de devenir quelqu'un. C'est clair. Pour devenir riche, pour devenir l'homme de ton rêve, il faut que tu souffres. Il faut accepter la souffrance. Avant de devenir quelqu'un, la France nous a donné combien d'années de l'indépendance? Et ça, ce n'est pas de l'indépendance, ça, c'est le pire esclavage. C'est le pire esclavage parce que toi, le président d'un pays ne te permet pas de prendre une décision toi-même. Il faut que tu s'envoies un petit Macron, tu s'envoies lui demander les conseils. Il est qui? Macron, il est qui? Il est qui? Il vient au Burkina, il vient souffrir au Roc Kabouré, lui, il regarde, il agit, il parle même pas. Ça m'a trop fait honte. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique. C'est vrai, merci. C'est une honte pour le Burkina. Merci, Nous, frère. On a compris que c'est trop. La jeunesse africaine, on a compris trop, c'est trop. Le vieux bouddhiste qui sont derrière la France, nous, moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Parce merci. Que je suis africain. Je suis fier d'être africain. Merci, frère. Malgré moi-même, je suis là. Même si je vais là en Europe, même si je me donne visa de la France, visa de l'Aïe, je préférerais prendre pour aller au Niger pour aller rester là-bas. Merci, merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Voilà. Merci. Allô? Oui, bonsoir. Bon, il a coupé. Il a coupé. Voilà les interventions de nos frères qui sont en train d'intervenir, même depuis la Côte d'Ivoire. Vous voyez que les mentalités changent
et que on ne se laissera plus, comment on appelle, on ne se laissera plus manipuler. La manipulation, c'est fini. La manipulation, utiliser des Burkinabés pour attaquer des Ivoirois ou utiliser des Ivoirois pour attaquer des Burkinabés, c'est fini cette manipulation. Tous ceux qui sont en connivence avec cette armée française ou avec l'Élysée, aujourd'hui sont en train d'être répertoriés et déposés. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va et vous? Oui, je vais très bien. Je suis en train de suivre votre émission en direct là. D'accord. Ouais, je voulais juste intervenir par rapport à comment on appelle ça, au sujet. Au discours donné par le porte-parole du gouvernement burkinabé. D'accord. Allez-y. Allez-y. Je pense, oui, je pense que le porte-parole du gouvernement burkinabé, il a été clair. Il a dit qu'il donne juste un mois à l'armée française de quitter leur territoire. J'ai vu le retour de M. Macron, le président de la République française, disant qu'il veut une réaction de la part d'Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé. Je pense que dans tout gouvernement, il n'est pas forcément obligatoire que le président prenne la parole pour faire un communiqué. C'est clair. Il y a toujours un porte-parole qui doit faire le communiqué du gouvernement. Mm-hmm. Mais aussi, d'une part, moi, je peux comprendre. Parce que le monsieur, il a du mal à attendre ça. C'est-à-dire quand il attend qu'on dit encore que son armée doit quitter encore le Burkina Faso, mm-hmm. la situation devient de plus en plus compliquée pour lui. Mm-hmm. Puis son sous-préfet, M. Ouattara, qui est du côté de la Côte d'Ivoire, lui aussi, la pression est sur lui. Mais ça, c'est pas ça le problème. Parce que c'est pas la pression ou bien le malheur de la France ou bien ça de la Côte d'Ivoire qui va empêcher Ibrahim Traoré à ne pas défendre sa population. Mm-hmm. Parce qu'ici, le problème ne se passe pas en Côte d'Ivoire ni en France. Le problème se passe au Burkina Faso. Donc, c'est le peuple burkinabé qui est intéressé par la résolution des problèmes sociaux, disons. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans la sécurité. On ne peut pas parler de développement sans la paix. C'est clair. À chaque fois que vous n'êtes pas dans la paix et que vous essayez de développer quelque chose, la guerre peut détruire à tout moment. Mm-hmm. Donc, il faut d'abord qu'ils mettent en pied quelque chose qui peut garantir leur liberté, leur souveraineté et surtout la paix dans tout le territoire burkinabé. Mm-hmm. Et le plus important, il faut que le président de Burkina Faso soit capable de prendre des décisions. Et lorsqu'il prend des décisions, il faut qu'il soit capable de défendre sa position. C'est très important. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'il joue à double jeu, comme l'a fait Damiba. Lui, déjà, quand je l'ai vu pour sa toute première apparition, j'ai compris que c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il était animé par la peur. Et lorsque vous êtes un président, lorsque vous dirigez une nation, il faut que vous acceptez de donner votre âme comme sacrifice pour défendre tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas être là président d'une nation et que vous voulez défendre d'abord votre peau, bien soit vous avez peur des gangsters internationaux, je fais allusion, n'est-ce pas, aux impérialistes colons. Mmh. Qui veulent tout, n'est-ce pas, par tous les moyens, ils veulent s'en sortir, même s'il faut tuer des milliards d'Africains pour avoir justement une centaine d'euros, bien seulement 2 euros, et ils vont le faire. Mmh. Ils ont déjà fait dans l'histoire, ils n'ont rien à perdre. C'est quand ça. Un noir meurt, ça ne coûte absolument rien. Même s'il faut, parce que aujourd'hui, on constate que nous sommes ici, nous voyons très bien comment l'économie française est en train de s'effondrer. Donc, ils sont prêts à tout. Même s'il faut tuer des enfants de 8 ans jusqu'à, n'est-ce pas, et ils s'en foutent. Si tu as la peau noire, ils vont envoyer des terroristes pour vous effrayer, pour vous tuer ou tuer votre population, c'est mm-hmm. la pagaille de désordre, justement pour pouvoir avoir le contrôle pour pouvoir avoir le contrôle et prendre ce qu'ils ont à prendre. Donc, il faut que M. Ibrahim Traoré, moi je le suis de près. Je suis pas un Burkinabé, mais je le suis très bien de plein. Il faut qu'il fasse très attention à tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Il faut qu'il soit capable de prendre des décisions et de les assumer surtout. Merci. Il ne faut pas qu'il... Voilà.
la décision qu'il a prise, il faut réellement qu'il soit capable d'assumer. D'accord. Et le plus important. Frère, tu vas terminer, tu vas chuter parce qu'il y a d'autres appels. On va prendre d'autres personnes, il faut chuter. Oui, je vais résumer ça rapidement. Merci. Le plus important, il faut que le peuple burkinabé soit capable de, n'est-ce pas, de signifier tous les communiqués du gouvernement burkinabé. Le porte-parole du gouvernement de Ibrahim Traoré et je les ai fait le communiqué. Donc, il faut que le peuple de Burkina sorte et fait une manifestation très massive pour prouver qu'ils sont d'accord pour ce que le gouvernement a dit. Donc, c'était ça. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ça va? Oui, moi j'appelle, je veux juste intervenir pour dire, c'est pas pour intervenir même, c'est pour le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire et puis il est en train de parler là. S'il nous écoute, il ne peut pas rester en Côte d'Ivoire où il y a l'armée française là-bas et puis il va parler. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina. Il n'est qu'à aller chez lui et il va intervenir là-bas. Tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est merci. Ça que je voulais dire avant le Burkinabé là. Merci. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, je vous avais dit qu'il y a des Africains qui sont des vendus depuis leurs aïeux. C'est-à-dire, leur arbre généalogique là, depuis leurs aïeux jusqu'à eux, ce sont des vendus. Ce sont eux qui ont vendu nos parents. Voici d'autres. Il dit que le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire et qui est intervenu devait se retrouver au Burkina pour parler. Parce que pour lui, le Burkinabé en Côte d'Ivoire, l'Ivoirois au Mali, le Malien en Guinée, c'est pas normal pour lui. C'est-à-dire, si tu es là-bas, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Pourtant, nous sommes toujours en train de leur dire que ce n'est pas un problème d'être dans le pays de l'autre. Nous sommes tous africains. Nous pouvons circuler dans tous les pays africains. Le seul problème, c'est que si notre continent, nos pays sont menacés, il faut que nous puissions être capables de nous lever et de dire non. De dire non, quel que soit l'endroit où on se trouve, même qu'on n'est pas de ce pays. Je vais prendre quelqu'un d'autre qui appelle de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Ouais, mon général. Oui. Là, lui qui vient de parler tout à l'heure, il ne faut pas écouter lui, là, lui, c'est pas ce qu'il dit. C'est le frère Burkinabé qui a appelé tout à l'heure, là, de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure, là. D'accord. Si lui, là, l'écoute, il n'a qu'à bien suivre, il n'a qu'à bien écouter. La Côte d'Ivoire, Burkina, c'est les deux pays, frère. Moi, je suis chez moi. Je ne suis pas en Europe, la Côte d'Ivoire, c'est un pays africain. Tu es chez toi, partout sur le territoire africain, tu es chez toi. Chez moi. Si lui, je n'ai pas dit vin, moi, je sais d'où je viens. Je suis africain. La Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Europe, je suis en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas parlé de mal des Ivoiriens. Parce que moi, j'aime beaucoup les Ivoiriens. Tu comprends? Oui, oui. Je parle de la France. Je n'ai pas parlé de les Ivoiriens. Je parle de la France. Tu comprends? Est-ce que si il y avait la base militaire de la Côte d'Ivoire au Burkina, est-ce que je vais demander nos gars de quitter? Parce qu'ils sont venus nous aider. Je ne peux jamais dire ça. Mais les Français, je les connais où? Je connais les Français où? C'est clair. Combien d'années nous a donné l'indépendance? On voit même pas la queue, on ne voit pas devant, on ne voit pas dans l'arrière. Ne cherche pas à te justifier, ce que tu as dit, c'est clair. Voilà, c'est lui. Tu as vu, tu as rappelé. Lui aussi, il est en train de rappeler. Voilà, mais je ne vais pas décrocher. Je ne vais pas prendre son appel. Parce que ce n'est pas du ping-pong. Voilà, moi, je suis chez moi. Je n'ai pas insulté les Ivoiriens. Je suis fier. C'est lui. Ça lui fait mal que je vais intervenir tout le temps. Je vais appeler. C'est clair. Je vais appeler parce que je ne veux pas de l'armée française au Burkina aujourd'hui ni demain. C'est clair. C'est clair. Je ne veux pas ça même. Je ne veux pas ça aujourd'hui ni demain. Le président m'a donné 30 jours. C'est trop loin. Si vous pouvez faire ça dès demain. Le 18, là, il n'a qu'à regarder le match. Le 18,
Dakar même déjà qu'elle est partie. Merci. Merci. On dit que nous, on n'est pas là à midi. Parce que nos parents sont en train de mourir. Ils sont en train de tuer nos parents. Ça fait combien d'années les gens sont calés? Et ils font quoi pour le Burkina? Ils font quoi? Moi, au départ, là, j'ai perdu mes frères dans cette histoire. Et Julie, il a perdu quoi? Faut pas vraiment me parler de ça. Julie, c'est pas que l'Afrique, là, ça appartient à tout, nous tous, les Africains. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous, les Africains. C'est clair. Ça appartient à nous tous. Merci, frère, merci. On a bien compris ton message. Merci. Alors, c'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait faire. Vous avez compris. Quand Alassane Dramane Ouattara a mis la carte de séjour pour différencier les Africains, pour différencier l'Ivoirois du Burkinabé, l'Ivoirois du Malien, l'Ivoirois du Guinéen, du Togolais, du Béninois et de tous les autres pays africains, le président Laurent Gbagbo a pris un décret pour annuler la carte de séjour. Parce que pour le président Laurent Gbagbo, nous sommes tous africains, nous devons nous déplacer dans tous les pays africains, sans jeûne, sans visa, sans rien. Voici ce que le président Laurent Gbagbo voulait et Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas. Oui, allô, frère, tu avais déjà appelé, oui, allô, tu rappelles encore, pour répondre à celui qui a... D'accord. À cet individu qui vient d'appeler, pourquoi on appelle, étant Burkinabé de la Côte d'Ivoire, pour se justifier. On appelle parce qu'on veut se justifier. Étant Burkinabé, peu importe le pays où on se trouve, on est Burkinabé. On a le droit d'être panafricain dans le pays où on est. Allô, on t'attend mal, le frère. C'est le réel problème de l'Afrique. Oui, vas-y. Je voudrais que si ce monsieur-là m'écoute, peu importe son âge, peut-être que je suis moins âgé que lui. Eux qui m'écoutent attentivement. Le développement de l'Afrique, c'est pour les Africains. L'Afrique, c'est l'Afrique. Peu importe où tu es, Sénégal, Mali, Niger, peu importe là où tu te trouves, tu es Africain. Il n'a pas le droit de nous dire pourquoi on a perdu de la Côte d'Ivoire pour dire non, la France n'a qu'à quitter. On est Burkinabé, on a le droit d'appeler peu importe de là où on est. C'est clair. Ici, il est inconscient. Qui sont inconscients, je lui. Merci, frère. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci. Il vous appelait des États-Unis, je crois. Allô? Oui, allô? Vous appelez des États-Unis? Oui, j'appelle des États-Unis. Donc, je voulais répondre à un frère ivoirien qui vient de parler tout à l'heure en disant qu'un frère burkinabé n'a pas l'eau au Burkina pour intervenir. Oui, oui. Je vais le faire comprendre qu'il faut qu'ils sachent les jours qu'on va travailler à retourner au Burkina, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, ils vont rentrer. Qu'ils sachent qu'à Ouattara même là, il a se déplacé au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Mm. Si le fier des Ivoiriens, puis il dit à Ouattara de quitter de la Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'instant, lui-même, il n'a pas Ivoirien. Ah. Lui-même son patron même n'est pas ivoirien. S'il est vraiment fier d'être ivoirien, une personne qui vient au pouvoir, qui a permis presque 30 000 morts, aujourd'hui vous êtes fier de lui, qui a tenté un manœuvre, que pourquoi il a le droit de communiquer. Le Burkinabé, c'est en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Ouattara. Donc il sait ça. Parler mal là, tout le monde sait parler mal. L'histoire de Burkina de la Côte d'Ivoire, c'est pas nous, la jeunesse, qui peut diviser ça. Tant de Foy Boyi, de Burkinabé, vivent en Côte d'Ivoire comme ce jeu. C'est l'arrivée de Ouattara. Et toujours, c'est comme ça. Quand un étranger arrive chez vous, c'est lui qui va vous permettre à vous ménager. Il faut qu'ils sachent que c'est pas comme ça qu'on communique. Si le ciel est ivoirien, ils sachent que c'est la dernière fois que le Burkinabé, il va encore associer pour accompagner un doula au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ah, ça. Voici une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que les Maliens et Burkinabé ont programmé. Et une doula encore va devenir président en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il mette ça dans les têtes. C'est quand ça souffle là, eux tous vont retrouver ce jeu. Ce n'est pas parce que c'est la haine que l'Ivoirien va s'asseoir de doula en Côte d'Ivoire, mais il faut que chaque étranger qui vit en Côte d'Ivoire, nous sommes africains, que chaque personne connaisse sa place. C'est clair. Si c'est on dit quoi? Aider des Africains, nous sommes prêts à aider des Ivoiriens, les Ivoiriens sont prêts à aider des Burkinabés. Mais ce n'est pas une question qu'un doula peut m'interdire, moi Burkinabé, en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Aucune douleur peut m'interdire. Pour qui en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de béton au Burkina. Il n'y a pas de rallye au Burkina. Tous les douleurs qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de haine. Mais il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont la grande gueule. L'arrivée de Ouattara au pouvoir, là. Toute la façon de Burkina au Mali. Moi, j'existe même que le Burkinabé après. Que tous les Burkinabés doivent demander. Le communauté Bété, Azani, Laka, toutes ethnies qui ne sont pas liées avec le Burkinabé, pardon. On doit demander au peuple ivoirien pardon. Mais si lui, il pense que non, aujourd'hui, Ouattara, c'est lui qui voit Ouattara comme président en Côte d'Ivoire. Nous, on voit Ouattara comme un manœuvre en Côte d'Ivoire. Ouattara, il ne peut rien même dire au Burkinabé. On l'a dit qu'on l'a communiqué, comment? Il arrive en France mercredi, non? Il n'a pas parlé. Si il a mis sa bouche, comme façon il a mis au Mali là, c'est là qu'il va suivre au pouvoir. Merci. Même pour lui-même là, son coup d'état va être programmé. Merci beaucoup frère. Merci. On attend seulement qu'il a mis une seule mercenaire qui quitte en Côte d'Ivoire, qui vient au Burkina. Je vous dis que Ouattara va descendre. Les gens qui parlent beaucoup qui pensent que non, qu'ils sont arrivés là. Nous, on regarde. Eux-mêmes, d'abord, on attend ici 2020, 2020, 2025, 2030. Eux-mêmes, on est venu vrai Burkinabé. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Merci beaucoup. On va aller un peu au temps. Merci. Mais désolé, je tiens à demander tout le temps. J'ai fait en Côte d'Ivoire 10 ans. J'ai une plantation là-bas. À l'épée, à nouveau dans l'épée. Mm-hmm. J'ai joué ballon là-bas. De la Côte d'Ivoire jusqu'à Zopé, à Boromprom, entre Côte d'Ivoire, Fontaine de Ghana et la Côte d'Ivoire. Partout de la Côte d'Ivoire, ils connaissent. C'est qui peut m'attendre en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, c'est qui peut m'attendre en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Personne ne peut t'interdire la Côte d'Ivoire. C'est ce message, voilà. C'est cette communication que nous sommes en train de faire pour que les uns et les autres comprennent que aucun Ivoirois de puissant n'est contre un Burkinabé. C'est Alassane Draman Ouattara, et je continue de répéter, depuis son avènement, son arrivée en Côte d'Ivoire, qui a créé cette cacophonie. Nous-mêmes qui demandons notre enfant à l'école. Donc, ils savent ça. Ce n'est pas les Doula qui mettaient notre enfant à l'école. C'était les Aïs, les Atiens, les Bétés. Quand on travaille, on dit, OK, votre enfant là, c'est un top, tu deviens mon fils. C'est Ouattara qui a aménagé ça. Et bon, il a gagné. Mais il faut qu'ils sachent. Donc, moi, je dis clairement, nous, on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas de français, mais on ne parle pas beaucoup. Un Doula va encore venir organiser le rebelle au Burkina. Il n'a pas venu. En tout cas, cette fois-ci, n'acceptez plus. C'est fini. Ça ne peut plus exister. Dès qu'il met le pied, même c'est nous-mêmes qui vont le descendre. Voilà. Merci. Merci pour ton interview. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est clair. Et comme j'ai dit, je continue de passer ce message-là parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous parlons panafricanisme. Je vous ai dit que pour faire passer le message, ne viens pas dire à un Burkinabé ou à un Malien que c'est Gbagbo Laurent. Avant de dire c'est Gbagbo Laurent là, faut lui expliquer pourquoi c'est Gbagbo Laurent qu'on doit choisir. Pourquoi? Faut lui expliquer ça. Parce que lui, il ne comprend pas. On lui a dit que Gbagbo Laurent n'aime pas les étrangers. On lui a dit que Gbagbo Laurent, s'il vient au pouvoir, il va tuer tous les Burkinabés, tous les Maliens. Laurent Gbagbo, il est là pour tuer que les nordistes. Parce que les musulmans. Laurent Gbagbo, c'est un tueur des musulmans. Voilà l'esprit qu'ils ont mis dans la tête des gens. Même en France, ici à Lyon, quand j'étais à Lyon, j'ai un ami tunisien, un arabe, un tunisien, qui m'a dit que Laurent Gbagbo, il n'aime pas les musulmans. C'est-à-dire, on a mis ça dans leur tête. C'est la communication d'Alassane Draman Ouattara qui l'a fait. Ce travail-là, nous, on va détruire ça. On va détruire parce que c'est du mensonge. On va le prendre. On va prendre lui qui dit, oui, mon frère, je t'ai repris. On t'écoute. Je t'ai repris. Toi qui dis, pourquoi le Burkinabé est en Côte d'Ivoire et puis il parle là. Nous, on t'écoute. Tu veux dire quoi? Le Burkinabé qui parle, qui est en train de crier là, ils ont raison. Je dis, Ouattara est comme ça. En 2010, là, on savait ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils étaient ou bien c'est. Ils ont trop repris. Moi, je ne comprends même pas des gens, quoi. Ils ont gueule aujourd'hui. Ils n'ont pas à voir leur gueule. Qui veut partir pour dire, non, je suis africain. Tu n'es pas africain, tu es Burkinabé, va combattre les terroristes chez toi, c'est tout. Pourquoi ne pas attendre ça? Laisse la Côte d'Ivoire, laisse comme ça. Tant de bravo là, ça s'est passé devant nous.
tous ici, en Côte d'Ivoire là-bas. Et il y a eu quoi? Tant de babos, il y a eu quoi? Tant de babos, il y a eu quoi? Tant de... Vous êtes en train de parler comme ça, même Babo, même il n'a rien fait. Il n'a rien fait, rien. Donc ça n'a pas tout fait. Tu lui as donné le temps, tu lui as donné le temps de faire quelque chose quand tu as mené ta rébellion. Moi j'avais 10 ans, j'étais à Guibéroua. J'ai dit. J'étais chez vous là-bas. Ah, tu étais à Guibéroua, tu fais quoi? Tu es bêté. Moi, je ne suis pas bêté, là. Ah, mais tu faisais quoi à Guibéroua? Non, j'étais à la campagne. D'accord. Est-ce qu'on t'a agressé à Guibéroua? Est-ce qu'on t'a agressé? Quand en 2010, là, moi, tu sais, c'est qui, là, les balais civils, là, c'est les petits que je les connaissais même, qui m'ont fouillé. Ils t'ont fouillé, est-ce qu'ils t'ont tué? Ils ne m'ont pas tué. Moi, ce qui s'est passé là-bas, ils ne m'ont pas tué. D'accord. Après, ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller à Guibéroua sans que tu sois menacé par les BT? Non, je ne peux pas. Jamais. On ne peut pas me mélanger. Non. D'accord. Merci. Moi, j'ai des frères qui ont été tués à Kogrobo. Si quelqu'un qui connaît Guibéroua à Kogrobo, les gens de Guibéroua m'attendent. Voilà. Tu as été tué là-bas, j'ai pas bien compris. Non, j'ai des frères qui ont été tués par les BT à Guibéroua. Ils ont mis d'autres même dans la pluie. D'accord. Et voilà. Quel était leur délit? Quel délit? Je sais même pas du tout. Ah, ils n'ont rien fait. Les BT qui, toi, t'ont fouillé. Ils ont pris toi, tes frères, et ils les ont jetés dans la pluie. Ils les ont tués. Allô, le frère, on a qu'à parler tranquillement, faut pas t'énerver, hein. Tu dis que Gbagbo dit s'il prenait le pouvoir, il allait chasser tous les Burkinabés, c'est ça? Non, j'ai pas dit Gbagbo, Non. J'ai pas bien entendu. J'ai pas dit Gbagbo, j'ai dit il y a des BT. Ah, des BT. Des BT. Voilà, à Guibéroua, quand Gbagbo prenait le pouvoir, il avait déjà tout partagé. Voilà, c'est de ça que je veux parler. D'accord. Il avait déjà partagé. D'accord. Les Burkinabés qui parlent aujourd'hui, moi ça m'étonne. Ça m'étonne, les Burkinabés qui parlent aujourd'hui. C'est comme ça. Non. Mais vous les avez utilisés, non? Vous avez utilisé le Burkina comme base arrière, ouais. N'est-ce pas? Utilisé comme base arrière, comment? Base arrière, c'est pas là-bas où on a formé les shérifs Ousmane et autres là pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina cherchait son intérêt. Ah, c'est le Burkina qui cherchait son intérêt. Oui. D'accord. Mais tu acceptes. Donc tu es d'accord que vous avez pris le Burkina comme base arrière? Non, on n'a pas pris le Burkina comme base arrière. On n'a même pas pris des choses. J'ai l'air dit. C'est là-bas, ils se sont partis. Ils ont commencé la guerre. Ils ont fait leur réunion là-bas. Moi, je n'étais pas là. Voilà. Donc, ça, je ne peux pas parler d'accord. Mais au moins, tu sais qu'ils ont. Ce qui s'est passé voilà. Devant moi en 2010. C'est pour cela que le frère Burkinabé a dit que prochainement, ils ne vont plus venir là-bas pour faire leur base arrière, leur formation. Là, ils ne vont plus faire ça au Burkina. Il ne va plus accepter. Est-ce que nous, on va faire Palabre encore? C'est fini. Ah. Vous n'allez plus faire Palabre. Donc, pourquoi vous accusez Soro Diom de vouloir préparer un coup au Burkina ou au Mali? Merci. Merci. Merci, frère. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Quand tu dis Soro Diom là, et tous deviennent zézé. Bon, les gars, c'est pas. Hein? On n'est pas là pour se. Voilà. C'est pas du ping-pong, c'est-à-dire l'autre parle, après l'autre appelle pour répondre. Bon, je vais te prendre quand même, parce que tu appelles des États-Unis, tu rappelles encore. Donc, je te prends encore. Et puis, après ça, je vais continuer mon discours. Oui, allô, le frère.
Allô? Allô? Oui. On t'écoute. Il faut couper le direct. Parce que si tu regardes le direct que tu veux intervenir, tu ne pourras pas suivre les deux à la fois. Donc, il faut diminuer le direct ou bien il faut couper. Ok, merci. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire que tu fais un grand travail depuis 2013. J'étais sûr depuis 2013. Merci. Tu me suis depuis 2013, merci. C'est bon à préciser. En tout cas, tu es un fidèle. Je disais, tu fais un grand travail depuis 2013. Merci beaucoup. Depuis de Johnny Bakayoko jusqu'à présent, je pense que quand tu fais un grand travail comme ça, il ne faut pas prendre les gens qui ne comprennent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils parlent. Donc, tu vois, moi, j'ai travaillé. Dès que je te vis en direct, j'ai bloqué mon travail pour suivre tout ce que tu as dit. Donc, ce qu'ils parlent là-haut, ça ne vaut pas la peine même de communiquer et d'écouter même un minimum 2 minutes. Ne dis rien de bon. Ne dis rien de bon. S'ils disent que les Burkinabés, ils ont été en Côte d'Ivoire pour les intérêts. Donc, on a compris. Il a bien répondu qu'il n'y aura plus la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce que tout le monde souhaite. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est le dernier Djoula, dernier étranger qui va quitter au Burkina, qui va encore être président de la Côte d'Ivoire. Que ce soit Soro Diop, Excuse-moi. Ni au Burkina, pour dire qu'ils ont interdit des gens de porter Boubou. Excuse-moi. Le PT a dit qu'il va assasser tous les Burkinabés. Non! Burkinabés vivaient en Côte d'Ivoire. Ouattara n'était pas encore né. Les Burkinabés vivaient avec les BT. Ah! Il y a certains Burkinabés même qui ont reçu le nom de BT. Qui ont eu même femme BT, qui ont eu des enfants BT. Des Burkinabés qui ont eu des enfants BT. Ça existe en Côte d'Ivoire. Je rappelle que je vais le répondre. Non. Par respect pour toi, beaucoup de gens dessus, les gens responsables dessus, parce que tout ce que tu dis, il est très très important. On ressaisit. Donc c'est une leçon. Que ce soit le Burkinabé ou chaque Malien. Donc il n'y a pas de problème. La seule chose que nous on souhaite, si Ouattara veut terminer son mandat là, s'il ne veut pas terminer là, qu'il amène une seule Ivoirien au Burkina. Je n'ai pas dit Ivoirien civil. Une tenue, une Ivoirien militaire au Burkina. Qu'il amène une seule. Pour voir si Ouattara va terminer son mandat là. Voilà. Ouais, donc, merci. Si nous on veut rentrer en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas avec les Ivoiriens. On va rentrer avec un médecin de, comment on appelle ça, équipe de la Ouattara. Qu'il amène une seule militaire en Côte d'Ivoire au Burkina pour aller intervenir comme ça, il a fait au Mali là. Si vraiment il sait qu'il est fier d'être Ivoirien, qu'il est un président Ivoirien, que ceux qui parlent, ils ne savent même pas ce qu'il dit là, il amène une seule. On ne souhaite même pas. Ou c'est une communication bizarre. Mon frère, il pense que, non, tu es aux États. Tu es, allô? Merci. Allô? Merci. Allô? Désolé. Allô? Non, avant de te laisser, Allô? Passe une bonne soirée. Allô? Allô? Il m'attend pas ou quoi? Allô? Tu m'attends pas? Merci. Bon, il m'attendait pas. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, les ignorants. Ton numéro là, il y a beaucoup de 9-9 là, c'est où ça? C'est quel pays ça? Je suis un Burkinabé vivant en Géorgie. En Géorgie? En Géorgie, je m'appelle Souré Abdoul Fatao. D'accord, si tu es vraiment Burkinabé là, commence ton message par en Mouré ou dans ton étudiant du Burkina là. On va comprendre un peu. Mamia Burkimbi là, Mamdor Burkina. Mon villa aya kungusi mamne azina abondo Thomas Sankara villa aya yoko toni kungu yoko su kungusi mambe Georgi ya bal sabab mambe Georgi ndakun to balle. Merci. Voilà, je suis en Georgie pour le football. Je suis né au Burkina, grandi au Burkina, à Ouagadougou. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que le capitaine Ibrahim Traoré a demandé à la France? Aux militaires français. Ibrahim Traoré, c'est notre grand frère. J'ai 18 ans, donc Traoré, c'est mon grand frère. La décision qu'il a prise m'a beaucoup touché. Je suis ému de joie. Je suis ici en Asie, je vois comment la vie est. Puisque, et une fois en Europe, quel que soit ton talent, tu n'as pas assez d'essence que le fils du pays.
Je vois que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui veut faire sortir mes petits frères de la misère qu'ils sont. Même à part le djihadisme, je vois que le Burkina Faso est un pays très 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 pauvre et endetté. Le Burkina Faso n'est pas un pays très 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 pauvre endetté. En fait, on a endetté et on a appauvri le Burkina. C'est ça qui est bien à dire. Pauvre, endetté, parce que c'est notre papa Blaise Compaoré qui nous a mis dans tous ces problèmes. C'est ça. Parce que nous tous, j'ai 18 ans, je suis né trouvé Blaise au pouvoir, j'ai grandi à Ouagadougou. Personne d'entre nous ne pouvait parler de Sankara. On est allé à l'école, on a eu à lire l'histoire, mais une fois que tu veux faire débattre sur Sankara, tu risques ta vie. Mm-hmm. C'était le pire dictature au Burkina, à Ouagadougou. Ouais. Actuellement, tous tes gens qui étaient au Burkina, François Compaoré, Aliseta Gando, ils étaient beaucoup, Gibril Bassolé, ils sont tous à l'extérieur. Pourquoi pas vivre au Burkina? Mm-hmm. Donc c'est une fierté pour moi de voir un jeune, un grand frère au pouvoir qui prend ses décisions dignes d'être burkinabé. Merci. Si aujourd'hui je vois mes grands frères qui sont aux États-Unis ou bien en Côte d'Ivoire, qui ont toujours, aujourd'hui, en 21e siècle, qui ont toujours une mentalité de diviser l'Afrique, que non, le burkinabé doit aller au Burkina et l'Ivoirien reste en Côte d'Ivoire, ils se trompent. C'est clair. L'Afrique, c'est l'Afrique. On a tous la même peau noire, ou bien. Mm-hmm. Je suis en Europe ici. Une fois, si je vois un Ivoirien ici qui de même joue au foot que moi et puis qui n'a pas d'appartement, qui a des problèmes de loyer, de vie, je peux le berger chez moi, ou bien. Oui, oui. Voilà. Et si je vois un Africain, une fois que je vois quelqu'un ici qui a une peau noire comme moi, il n'y a pas de différence entre nous. Mm-hmm. Donc. Actuellement, au 21e siècle, ils doivent changer de mentalité. Puisque si on continue comme ça, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Ouais. Vous voyez la Russie. La Russie qui... Je ne peux pas dire que la Russie dirige le monde, mais la Russie aussi n'est pas derrière. Puisque les États-Unis dépassent la Russie en matière de richesse. Sinon, armement, il ne vaut pas la Russie. Mm-hmm. Mais vous voyez que la Russie n'est pas grande que l'Afrique. Ils ont su être unis. La Fédération de Russie, c'est ça qui a fait leur force. Mm-hmm. Nous rêvons un jour voir une Afrique fédérale. C'est clair. Moi, si l'Afrique était fédérée, est-ce que nous, on allait être ici en train de jouer au foot ou en train de se chercher en Occident? Ah, c'est ça. C'est une véritable question. En tout cas, jeune homme, tu me donnes les larmes aux yeux parce que tu as 18 ans et tu es hors de ton pays et tu tiens des propos qui donnent à réfléchir. En tout cas, merci à toi. Je vais te laisser encore quelques minutes, mais merci à toi. Qui ont peut-être 25, 27 ans qui est en train de toujours avoir une telle mentalité, c'est pas bon. Hein? Merci beaucoup. Votre émission. Merci, jeune. Et puis, prends soin de toi là-bas. Merci bien, merci Hervé. Mmh. Hey, je suis ton papa, hein. Oui, merci, monsieur Hervé. Allez, merci. Porte-toi bien. Merci beaucoup, merci. Voilà, il n'a que 18 ans. Oh, c'est émouvant d'écouter un jeune homme comme ça de 18 ans qui a compris qu'il faut se battre pour pouvoir redonner à l'Afrique sa dignité. C'est émouvant. Moi, ça me touche énormément. Il y a eu plein d'appels, mais je ne savais pas qu'un jeune homme de 18 ans allait m'appeler aujourd'hui. Et il a dit des mots forts. Oui, allô? Hey, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle Karim. Oui, bonsoir Karim. Ouais, je suis du Maroc. Oui. Tu es marocain? Non, je suis burkinabé. Hein, mais tu dis je suis de Maroc. Je suis actuellement au Maroc. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que le capitaine Ibrahim a dit, Ibrahim Traoré? Moi, actuellement même là, moi, ce qui me fait mal est qu'il est venu au pouvoir, que je ne suis pas au Burkina pour m'inscrire au niveau de VDP. Mm. Parce que moi, je suis quelqu'un même
si c'est quelqu'un qu'on pouvait le voir face à face où je suis, j'allais jeter des fleurs sur lui. Mmh. Voilà. Et c'est un compatriote, et c'est un homme fort qu'on doit féliciter. Mmh. Normalement, la France même ne devrait même pas faire une semaine au Burkina même. Voilà. Mais il est gentil, c'est la, comment on appelle, c'est la gentillesse des Africains, voilà, c'est la gentillesse des Africains. Voilà. Donc on leur donne un mois, sinon on pouvait leur donner une semaine ou 24 heures ou 72 heures, mais on leur donne un mois. Puisque depuis on a donné le délai pour Luc Alat, il est toujours au Burkina. Le petit là, il m'a donné des larmes aux yeux, hein, ce petit là. Pourquoi il fait ça? Oui, vas-y frère, vas-y. Depuis, ils ont donné une date à Luc Alat, toujours des négociations, et puis il est toujours là. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas en train de manipuler quelque chose pour ce temps-là? Mmh. Voilà. Concernant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, moi je trouve que c'est une famille, un Ivoirien qui se lève aujourd'hui pour dire que les Burkinabés sont rentrés chez vous. Bon, aujourd'hui, si on dit Burkinabé, je pense que, bon, les mots me manquent. Mmh. Voilà, nous tous, on est des Africains, tous des Noirs, et je pense que le frère doit arrêter, c'est dit, il doit arrêter de parler, c'est ainsi. Voilà. Il doit avoir honte même. J'ai mon frère, il doit avoir honte de dire ça. Même qui est marié à Thier. J'ai des amis qui se sont mariés avec des BT. Et je trouve que c'est une famille. Voilà. Il n'y aura jamais un conflit entre l'ethnie, entre les BT ou les Aïns et puis les Burkinabés. Mm-hmm. Il n'y aura jamais ça. Voilà. Donc il faut que les Ivoiriens sachent que il n'y a aucune ethnie en Côte d'Ivoire qui peut dire que cette ethnie-là n'a jamais fait un enfant avec un Burkinabé. Jamais. Mm-hmm. Voilà. Donc, merci. Ça forme déjà une famille. Arrêtons les choses de politique. C'est ça. Parce que c'est la politique qui a envoyé tout ça là. C'est ça. C'est clair. Voilà. La mauvaise politique. Voilà. Parce que la politique n'est pas mauvaise en elle-même. Mais c'est ceux qui... Voilà. Les acteurs politiques qui se comportent mal sont eux. C'est ça. Voilà. Sinon, moi, je remercie. Parce que moi, si je pouvais... Parce qu'actuellement, on est au Maroc. Et on était venu pour aller en Europe. Maintenant, il n'y a pas du travail, il n'y a rien. Moi-même, si le président même pouvait donner l'accord pour qu'on se retourne pour aller s'inscrire dans VDP, moi, je serais le premier. D'accord. Pardon. Faut pas traverser la Méditerranée, pardon. Je te demande pardon. Voilà, donc... Faut pas traverser, faut donc, pas être poussé à traverser la Méditerranée, s'il te plaît. Non, bon, on ne souhaitait pas cela, mais bon, vu que moi-même j'étais au village et que le temps est devenu très très compliqué au temps de Damiba, mm-hmm. et tout le village est déménagé, c'est ça qui m'a envoyé ici, sinon bon, c'est pas un truc même que je souhaitais aller à l'Occident, voilà. Ok, tiens-moi là-bas et puis que le Seigneur te protège. Ok, merci. Merci, bonne journée à toi. Merci. Voilà, je vais arrêter de prendre des appels. Je vais arrêter de prendre des appels et puis aller à la conclusion parce que la vidéo risque d'être très très longue. Je voudrais dire encore une fois, bravo, félicitations au capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas eu peur de sa vie. Parce que, comme le disait Assimi Goïta, il affronte la mort tous les jours au quotidien. Parce que c'est un soldat. Il a affronté la mort tous les jours. Donc, quelqu'un qui a affronté la mort tous les jours, qui était sur les lignes de front. On n'a pas dit qu'il était en arrière-plan ou bien c'était un réserviste qui attendait que le Burkina soit débordé afin de l'emmener sur le terrain. Lui, il était sur le terrain, comme Assimi Goïta. Il a vu sur le terrain les réalités. Puis, c'était un officier. Donc, il sait ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, voyant tout ça, il décide de reprendre, de prendre le pays, afin de changer ce qu'il a vu sur le terrain. Afin de faire en sorte qu'on connaisse ces terroristes-là. Ils peuvent être chicotés à tout moment.
ils ne sont pas mieux entraînés que les militaires. Mais ils font leur formation très vite, rapidement, on leur donne des armes et ils viennent et c'est eux qui tiennent le coup jusqu'à 10 ans, 20 ans, ils sont là terroristes, ça ne s'arrête pas. Assimi a pris ses responsabilités, Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités. Et pour ne pas être freiné dans la réunification du Burkina Faso, pour ne pas être freiné dans la souveraineté retrouvée du Burkina Faso, il préfère que l'armée française s'éloigne. Il préfère que l'armée française s'éloigne du Burkina Faso. Comme ça, on va voir terroristes yeux dans yeux avec FDS Burkinabé. Yeux dans yeux terroristes FDS. On va voir, c'est-à-dire, eux-mêmes là, c'est là qu'ils vont manger leur totem. C'est là qu'ils vont manger leur totem. Donc, la décision d'Ibrahim Traoré est salutaire et personne ne doit être contre cette décision-là. Si tu es un bon Burkinabé, un bon Ivoirien, un bon Malien, un bon Guinéen, un bon Sénégalais, un bon Béninois, un bon Togolais, un bon Ghanéen, un bon Centrafricain, Tchadien, Soudanais, tu dois accepter ça, cette décision. Tu dois féliciter ça, tu dois saluer ça. J'ai dit que je prenais plus d'appels. J'ai dit que je prenais plus d'appels. Mais désolé, je vais prendre un dernier. Un dernier, ça c'est le dernier. Voilà. Je pense qu'il appelle le... Allô, vous appelez d'où? Du Burkina? Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Vous appelez? Non, j'appelle pas du Burkina, j'appelle des États-Unis. Ah ouais, ben vous avez gardé votre numéro du Burkina, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. D'accord, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Hervé Gigué. Oui, je vous suis depuis très longtemps. J'admire ce que vous faites. Merci. Voilà, au-delà de la politique ivoirienne, voilà, tu parles aussi en général de l'Afrique. Mm-hmm. Voilà, particulièrement du Burkina et du Mali. Vraiment, c'est très bien. Voilà, j'aimerais aussi parler un peu de l'initiative du président Ibrahim Traoré. Mm-hmm. Je pense que cette initiative-là, elle est à saluer, elle est à saluer. Voilà, on est vraiment, il a vraiment pris la route du Mali. Je pense que Burkina plus Mali, et ça peut vraiment faire quelque chose de bon dans l'avenir. Voilà, mm-hmm. Certes, ils sont en train de vraiment vouloir mettre des bâtons dans ses roues, comme on le voit déjà, mm-hmm. avec le président français qui est sorti, voilà, qui dit qu'il attend. Ouais, on peut rien attendre, ouais, c'est décidé. Le peuple a décidé et le président sûr. Mmh. Voilà, je pense que c'est déjà un bon pas. C'est déjà un très, très grand pas. Et je pense que ça pourra aller dans l'avenir, quoi. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci bien. Merci. Et bonne émission à vous. Merci. Voilà, surtout au peuple africain, on doit s'unir. L'Afrique de l'Ouest, tout le monde, c'est l'union. C'est ensemble qu'on pourra vraiment bousculer et avoir notre vraie indépendance. Sinon, jusqu'à présent, pour être honnête, on n'est pas encore indépendant. L'indépendance est sur papier, mais sur le terrain, on est encore colonisé à travers les monnaies, à travers les entreprises. Franchement dit, la lutte continue. La lutte continue. Merci. Voilà, merci. Merci pour ton intervention. Allez, bonne soirée. Merci. Voilà, merci à vous. Merci pour votre intervention. Merci, merci beaucoup. Ouais, Viviane Mbaye, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Ou bien tu étais là depuis le début, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, bonne arrivée. Il faut partager. N'oubliez pas de partager. Et donc, comme je disais en conclusion, le capitaine Ibrahim Traoré est à soutenir. C'est un jeune. C'est un jeune. Ils savent une chose. Ils savent que il y a, pour les jeunes, il y a la femme, il y a l'argent. Comment faire pour pouvoir... tromper la vigilance du jeune Ibrahim Traoré. Moi, je lui dirais de prendre conseil auprès d'Assimi Goïta, son grand frère, et de nous écouter parce que c'est un jeune issu de nos directs. Donc, je suis sûr qu'il est un jeune de Facebook aussi. Donc, il sait de quoi nous parlons. Qu'il prenne des conseils, qu'il fasse attention parce que le serpent n'est pas mort. Le serpent diviseur est encore là. Et il veut continuer à sévir. Et quand il va voir que le Burkina veut suivre le Mali, il va vouloir casser le Burkina. Il faut que le Burkina soit fort. Il faut que le Burkina signe rapidement des marchés avec
le pays qui les arrange. Voilà. Afin que le travail de sécurisation soit fait. Achetez, armez, équipez votre armée. Voilà. Les DP, comment on les appelle là? Voilà, les nouvelles recrues là. Il faut les équiper en armement. Et puis, en tout cas, bonne chance au Burkina Faso. Nous sommes avec vous, sans hypocrisie, avec tout le cœur, parce que nous sommes comme ça. C'est pas quelqu'un, c'est pas aujourd'hui qu'on est en train de devenir Burkinabé ou bien on est en train d'aimer les Burkina. Non, non, non. Nous ne sommes comme ça. En tout cas, moi, voilà, moi et certaines personnes en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec le Burkinabé. C'est Alassane Dramane Ouattara, pour ses intérêts mesquins, qui a tout fait pour nous diviser, pour que lui puisse régner en maître. Voilà. Et aujourd'hui, et c'est que vous avez compris, la manipulation ne passera plus. Et je remercie tous les appelants, que ce soit ceux qui étaient contre ou pour. En tout cas, je vous remercie, vous tous, d'avoir intervenu. Et merci à un intervenant particulier, ce jeune homme de 18 ans. Je lui dis, vraiment, il m'a touché. Son message m'a touché. Vraiment, vraiment, émotionnellement même, ça m'a touché. Donc, je voudrais lui dire merci. Et je voudrais que tous les jeunes prennent exemple sur ce jeune homme-là, qui comprend l'histoire de son pays. Il ne dit pas comme j'ai 18 ans, comme il joue au football en Jordanie, donc je m'en fous de mon pays. Non, 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 il suit tout à la lettre. Il a vu ce qui s'est passé dans son pays, il continue de suivre ça à la lettre. Donc, faisons pareil et continuons d'accompagner jusqu'à ce que nous puissions arriver à la fin de ce combat-là. Nous allons gagner. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Sachez que j'ai fait une deuxième vidéo. Tout de suite même, une deuxième vidéo. J'ai été long dans cette vidéo. J'ai été très long dans cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo, cette fois-ci, pour vous donner une réponse à ceux, les amis de Charles Blé Goudé. Je vais donner une réponse à ceux qui se demandent comment est-ce que la division entre lui et Gbagbo est arrivée. J'ai une réponse pour vous. Donc ça, c'est une deuxième vidéo que j'ai faite concernant la Côte d'Ivoire, typiquement. Une réponse à ceux qui se posent la question d'où est venue cette séparation dont on parle tant entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure. Si je n'ai pas fait ça tout de suite, c'est que je suis fatigué. Mais je vais faire. Voilà. Je vais m'échanger peut-être et puis je vais faire une deuxième vidéo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. N'oubliez pas, partagez.